Europe. Europe 1. Axel de Tarlé, donc on revient à vous. AXA annonce à l'instant une méga acquisition aux États-Unis pour 15 milliards de dollars. Le géant français de l'assurance veut se recentrer sur le risque climatique. Oui, AXA, champion français et première marque mondiale d'assurance, hein, selon le dernier classement du cabinet Interbrand. Donc AXA, effectivement, veut se recentrer sur les nouveaux risques qui vont imprégner le 21e siècle. Alors, quels sont-ils, ces nouveaux risques? Eh bien, il y en a essentiellement deux, selon AXA. Il va y avoir durant tout ce siècle, un, le risque Internet, le cybercrime, le cyberterrorisme. Et puis deux, bien évidemment, le risque climatique. On est d'ailleurs en plein dedans. Hein. Aujourd'hui même, quatre membres du gouvernement, dont Annick Girardin, la ministre des Outre-mer, Gérald Darmanin pour l'action publique, sont aux Antilles, six mois après le passage de l'ouragan Irma. Et on vient d'entendre dans le journal de 7h30 le reportage de Mathieu Bock, hein, sur la lenteur des assureurs pour aider les habitants toujours dévastés par l'ouragan Irma. Et d'où cette annonce ce matin, donc AXA rachète la compagnie américaine XL et devient le numéro un mondial de l'assurance dommage des entreprises. Voilà, parce que cette compagnie américaine est très en pointe sur dans les risques industriels liés au climat. À ce titre, elle a été lourdement impactée l'an dernier, précisément par l'ouragan Irma, qui a frappé les Antilles, mais qui a aussi frappé la Floride, provoquant 30 milliards de dollars de dégâts en Floride. Et puis surtout, il y a eu l'an dernier, on l'a presque oublié, mais il y a eu la tempête Harvey aux États-Unis. Au Texas, 80 milliards de dollars de dégâts. En tout, les catastrophes naturelles ont provoqué l'an dernier 330 milliards de dollars de dégâts dans le monde. C'est l'équivalent d'une économie comme le Danemark ou l'Irlande rayée de la carte. Et malheureusement, on peut craindre que ces chiffres continuent d'augmenter, d'une part à cause de ces événements météorologiques extrêmes, mais aussi parce que les populations, les usines, de plus en plus migrent vers les côtes, vers les bords de mer et sont donc plus exposées à ces risques climatiques. Ça veut dire que les tarifs d'assurance vont continuer d'augmenter? Bah exactement, et puis ça veut aussi dire que de nouveaux clients vont vouloir s'assurer contre ces risques climatiques. Sachez que sur ces 330 milliards de dollars de dégâts l'an dernier, il n'y en avait que 130, donc à peine un tiers qui étaient assurés. C'est pour cela que AXA annonce ce matin le rachat de cette compagnie américaine très en pointe donc sur ces grands risques, et AXA qui devient même leader mondial de l'assurance dommage des entreprises. Europe. Europe 1.